pour cette méditation, je vous invite à vous choisir un lieu confortable en vérifiant que vous n'allez pas être dérangé pendant toute la durée de cette méditation. Et lorsque vous avez choisi à la fois le lieu et que vous êtes certain de cela, je vous invite à laisser vos yeux se fermer comme pour vous couper du monde extérieur, en laissant bien à l'extérieur ce qui peut être laissé dehors et en rapprochant votre attention de plus en plus près de votre corps et du support sur lequel vous avez choisi de le déposer. Et laissez-vous porter très simplement, très naturellement. Faites confiance à ce support que vous avez choisi. Il est posé sur le sol est posé sur la terre, et la terre vous porte en sécurité. Si cela est confortable et agréable pour vous, laissez passer deux ou trois soupirs de plaisir, de détente, de relâchement. C'est un temps que vous réalisez rien que pour vous. Et pour continuer à progresser vers votre cheminement intérieur, cette méditation ayant pour vocation d'ouvrir un peu plus encore le canal jusqu'au sommet de la tête, et une attention particulière portée au niveau du troisième œil dans un moment, pour accroître vos capacités intuitives, accroître vos capacités extrasensorielles, pour voir, entendre et ressentir encore un peu mieux les choses. Comme cette expérience ne peut se réaliser que grâce à un bon enracinement, je vous laisse quelques instants pour le faire vous-même. Comme vous le savez, il s'agit d'imaginer que des racines sortent de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Je reviens vous chercher quand votre enracinement est en place. À chaque inspiration, vous imaginez que l'énergie de la terre s'accumule dans votre premier chakra et vous laissez se déposer à cet endroit-là. Je le rappelle, il est situé précisément
entre l'anus et les organes sexuels une couleur rouge. Votre imaginaire, quoi que ce soit qui vous ramène à la couleur rouge. Et comme j'ai souvent dit que c'était l'intention qui dirigeait l'énergie, il y a simplement à laisser l'énergie de la couleur rouge se déposer à cet endroit et de laisser faire. Il n'y a rien à comprendre, rien à faire de spécial, juste de laisser votre imagination dériver vers tous ces objets, toutes ces fleurs peut-être, de couleur rouge. Votre conscience qui monte d'un étage pour se situer en dessous de votre nombril, dans votre deuxième chakra, le chakra sacré. Et vous pensez maintenant à quelque chose de couleur orange. Et vous laissez l'énergie de la couleur orange se diffuser partout, en dessous de votre nombril. Et peu à peu, essayez d'affiner un peu votre perception, vos sensations s'il y en a. Y a-t-il encore des présences d'images, de pensées? Accueillez tout ce qui est là, tout ce qui fait partie de l'expérience, rien de plus. Et puis votre conscience se pose au-dessus de votre nombril, au niveau du chakra du plexus solaire. Et vous laissez se déposer quelque chose de couleur jaune. Il y a juste à penser à quelque chose en relation avec la couleur jaune et de laisser l'énergie de cette couleur se diffuser complètement, totalement à cet endroit. Montez d'un étage pour vous diriger vers votre chakra du cœur et cette petite émeraude qui est là, à nouveau peut briller, encore. Cette même émeraude que vous avez mis en place, rencontrée, utilisée dans la méditation pour ouvrir le cœur. Et laissez l'énergie de la couleur verte et peut-être d'autres éléments de cette couleur traversent votre champ de conscience, votre imaginaire. Tout ce qui est de couleur verte et qui se dépose là.
présent, c'est le bleu clair qui attire votre attention au niveau de votre gorge. Quelque chose de couleur claire dans votre esprit et qui permet de focaliser l'intention d'énergie au niveau de la gorge associée à la couleur, le bleu clair. Et un étage encore au-dessus, il y a votre troisième œil. Ce chakra que l'on appelle en yoga Ajna. Et si je prends cette référence d'Ajna, c'est que dans la pratique du yoga Nidra, cette pratique du sommeil éveillé, on cherche à rentrer en contact avec ce centre d'énergie, avec le plus de vigueur possible, le plus d'attention possible. Ce centre qui est situé entre les sourcils et à l'intérieur. Parfois, on peut même faire imaginer que il y a un chemin comme une sorte de caverne qui mène à une grande grotte où brille un petit œuf. Cette caverne qui représente vraiment le siège de la supraconscience. Et au centre, un peu posé comme un trophée, un petit œuf d'or qui brille. Prenez bien conscience de cette image très intense, très forte. Plus vous allez mettre d'intensité dans cette clarté, dans cette énergie dorée, et plus vous allez éveiller vos capacités extra-neuronales, vos capacités supraconscientes, plus simplement vos capacités divinatoires. Car cet œuf éclaire la caverne, où il fait sombre, il fait nuit. Il y a du bleu foncé partout autour. Ce bleu foncé, couleur du centre énergétique, du troisième œil. Ce troisième œil représenté par ce petit œuf d'or qui illumine la caverne pour améliorer vos perceptions visuelles, auditives. Cette lumière dorée traversant les canaux auditifs jusqu'au tympan. Et c'est comme des petites oreilles d'énergie qui arrivent à aller plus loin que des oreilles physiques pour entendre tout, y compris dans l'invisible, à droite et à gauche. Ce petit œuf d'or qui diffuse une lumière vers le front, vers les yeux, qui rend votre vision encore plus claire,
jusqu'à aussi percevoir le subtil. Prenez bien conscience de tout cela. Et bien évidemment, il y a le sommet de votre tête. Et tout au sommet, au niveau des fontanelles, il y a ce chakra couronne. Et vous vous laissez imaginer entrer en relation avec la couleur violette. Et de ce chakra couronne, il y a comme un entonnoir d'énergie qui s'ouvre vers le haut. La base étant votre sommet de la tête et qui s'ouvre vers le ciel, vers le cosmos. Permettant d'ouvrir encore un peu plus les antennes. Comme si ce cône ouvert vers l'extérieur était comme un radar pour capter chaque énergie cosmique. Capable de percevoir toute manifestation divine, peut-être par l'intermédiaire de vos guides, ou des anges ou des archanges, ou toute autre représentation que vous en avez, bien sûr. Et soyez juste dans l'attention de ce qui s'y passe maintenant. Et puis tranquillement, vous vous laissez redescendre sur le plan de votre intention, bien sûr. Le long de votre colonne vertébrale, du haut vers le bas. Le sommet de la tête, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le chakra sacré. Et à nouveau, le premier centre d'énergie, celui de couleur rouge, dans lequel vous vous redéposez tranquillement, celui-ci nous ramenant à la terre, à la réalité, à l'action aussi, au dynamisme,
à la force, la pulsion de la vie, par-delà. Redéposez-vous dans votre bassin. Et tranquillement, remettez du mouvement dans votre corps. À votre rythme, à votre manière, faites comme vous en avez l'habitude jusqu'à être complètement ici, en présence à vous-même. Et quand la musique s'arrêtera complètement, vous serez totalement revenu à la réalité ici. Vos yeux seront ouverts. Vous serez en pleine conscience de l'endroit où vous êtes. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.